Alors que dans l'Atlantique Sud, Armel Le Cléache résiste toujours à la remontée d'Alex Thompson dans une météo compliquée, à l'approche du Cap Horn, les concurrents bénéficient de meilleures conditions pour souffler un peu. C'est le cas pour les deux Finistériens, Elias et Le Cam, quasiment bord à bord, en grande conversation. Bah ouais, lui, sans déconner, ce bateau-là, quand tu vois à quelle vitesse il a traversé la flotte à la descente, moi j'étais sur le cul quoi. Pour moi, il y a ce bateau-là et il y a les autres. Hein. Ouais, ça fait mal au cul. Ouais, bah j'aimerais bien faire un journal sur un bateau comme ça quoi. C'est un petit dernier sur un bateau qui va vite. Bah ouais, c'est clair. Alors bon, allez, à plus Yann, bon après-midi à la plage. Et puis on s'appelle ce soir pour l'apéro. Ok, ça marche. Allez, salut. 4800 km plus loin, au cœur du Pacifique, changement d'ambiance pour le néo-zélandais Conrad Coleman qui a réussi à devancer une énorme tempête australe. C'est pour ça que je reste là, sous la casquette. C'est si brutal. Il fait froid. Si froid. En arrière de la dépression, ce peloton de 6 concurrents a dû ralentir pour éviter l'ouragan et peut reprendre enfin la course. C'est dégagé, mais tout à l'heure, il y avait un espèce de grain, mais de ces grains quoi. 43 nœuds, le bateau il part en surf, il y a de l'eau partout. Et là tu te dis mais bordel comment ça tient quoi. Donc voilà, Auckland Island, on dit qu'on voit rien sur un Vendée Globe, mais on voit un paquet de choses. Hein. Enfin, à noter que Sébastien Destremau a perdu sa dernière place au profit de Peter Herrema, handicapé par des problèmes de pilote automatique et d'électronique.